J'espère que vous allez bien, moi ça va très 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 bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour course du mois. Voilà, on a fait des courses avec Denis. Et du coup, grande surprise. Comment vous dire que on a l'impression qu'ils ont augmenté leur prix par rapport à la situation qu'on a actuellement. Et franchement, on est un peu dégoûté. Voilà. Bref, on commence. Je vais faire de suite parce que du coup, j'ai du surgelé. Et comme ça, je fais déjà ça. Et après, je range directement. Et après, on est tranquille. Alors, en surgelé, j'ai pris des framboises. Des fruits framboises comme ceci. Parce qu'en vrai, je vais faire des nouveaux petits déjeuners. Et du coup, il me faudra des framboises, des fruits. Et j'ai pris des fruits comme ceci. Voilà, c'est des framboises. Après. J'ai pris poêlée de printemps. J'ai pris poêlée asiatique. Elle est super bonne. Je peux vous la conseiller. Elle est trop trop bonne. On a pris. Alors, on va limiter tout ce qui est viande. Du coup, on prend beaucoup de poissons. Et là, on a pris du pouf. Voilà. J'ai pris paysanne bretonne, c'est une poêlée de plusieurs petits légumes. J'ai repris un paquet de fruits, là c'est un mélange de fruits rouges. On a pris les courgettes. Cornet. Du chou-fleur. Voilà. En surgelé, on n'a pris que ceci. Je reviens, je vais les ranger et je reviens pour la suite. Voilà. Après, on va aller sur le frais. J'ai pris du taboulé. Voilà, de la marque Carrefour. Hein. On prend toujours la marque. Elle est bonne. Alors. On a pris des cartes râpées. En pareil, maxi format, c'est toujours, c'est nickel. Au moins, on en a pour assez pour le mois en fait. Du beurre doux. Alors bien sûr, j'avais pris deux packs comme ça. Au moins, j'en ai assez pour faire le mois. Des fois, je fais beaucoup de gâteaux, des choses comme ça. Et bien, la caisse me dit, non, c'est qu'un seul. Voilà. Génial. J'ai pris deux pas de crème fraîche. Voilà, pareil, c'est pour le petit déjeuner du matin. Au pire, si vous voulez, je vous dirai un peu plus. Voilà. J'ai pris du Saint-Mauré. Ça, c'est le fromage que j'adore. On a repris pareil du beurre comme ceci, oméga 3, pour les matins, tartines du matin. On a pris deux petits avocats comme ceci. Alors, ce midi, on va se faire une raclette. Voilà, c'est pas tout comme on se le fait, du coup, on s'est fait plaisir. On a pris du grison. On a pris du chorizo. En pareil, vous voyez, là, c'est des petits formats parce que c'est de temps en temps qu'on se mange ça, quand on se fait les raclettes. On a pris du jambon cru. En pareil, la petite marque, hein. Ça, c'est la marque Intermarché. Là, le grison, en fait, j'ai pris à Aoste. Parce qu'en fait, il n'y avait que ça. Il ne restait plus grand-chose. Du coup, voilà. Ça, généralement, c'est la marque Intermarché qu'on prend. On a pris du jambon. Pareil, là, par contre, on a pris le gros pack parce que le jambon, on en mange tout le temps. Du coup, voilà. On a pris du jambon comme ceci. Moi, j'adore avec la graisse autour. J'adore ça. Et on a pris du poulet rôti à la broche. Voilà. Et là, on n'a pris que 6 parce que c'est pour la raclette. Avec ceci, mon compagnon s'est pris du jambon, comme ceci. Voilà. On s'est pris le fromage. Juste. Attends, c'est quoi déjà le truc? C'est au moins un truc comme ça. Ah, et on s'est pris le fromage à raclette. Voilà, on a fait deux parce qu'il y en a un qu'on va utiliser maintenant. Le deuxième, c'est pour manger le fromage comme ça. On va le manger comme ça. Après, je vais essayer de vous tourner un peu. Voilà, pour éviter. Attendez, je vous tourne. Parce que pour le truc, voilà. On a pris. Alors, il y avait plus genre de fromage râpé normal. Du coup, on a dû prendre du comté. J'en ai pris deux. On a pris deux mozzarella.
Voilà, la marque, c'est la marque Galbani. Voilà. On a pris pareil pour le parmesan. Il n'y avait plus la marque qu'on prend d'habitude. Du coup, on a pris la marque Intermarché. Voilà, c'est du fromage des Gino. Bon, c'est du parmesan italien. On a pris deux, pareil. On a des grands consommateurs de pâtes. Voilà, on adore les pâtes. On n'est pas italien pour rien. Après, on a pris, alors il s'est pris un lot de saucissons au fromage, noix, ail, porc et sanglier. Voilà. Ça pour la raclette, du saucisson comme ceci. Voilà. Pareil, c'est la marque Intermarché. Hein. Ouais, c'est la marque Intermarché. Et du Gruyère. On s'est pris des poivrons, des œufs, on a pris 20, au moins on sait qu'on en a pour le mois, c'est pour les gâteaux, les choses comme ça. Et on a pris les yaourts Yoplait. Voilà, on change de temps en temps. Voilà, c'est multi-fruits, fraises, pêches, haricots, mûres. Voilà. Après. On a, vous savez quoi, je vais ranger le frais et je reviens après. Du coup, la suite, on a pris des canettes de Red Bull parce qu'il y en a besoin pour le travail. Du coup, voilà, on a pris 6 canettes. Voilà. On a pris en conserve la parisienne à poêler. Ça dépanne toujours. Hein. Moi, je prends toujours les trucs qui dépannent. Jardin de légumes. On a repris haricots verts. Je crois que j'en ai pris deux. Je me sens pas. Ouais, deux boîtes d'haricots verts. On a pris deux boîtes de thon parce qu'on en avait deux. Du coup, on a repris deux. On a pris du champignon. Voilà. Là, on est bon au niveau conserve. Après, j'ai pris mon café de la machine. Du coup, j'ai pris celui-ci, café au lait, ce que je bois d'habitude. Alors là, j'ai pris ça, c'est nouveau, Longo. Voilà, c'est du café normal en fait. Mais Longo, en fait, il y avait plusieurs trucs de café, ce que j'ai pas compris. Premium Arabica. Alors, on va goûter, on verra bien. De toute façon, je me suis inscrite sur leur site. Et en plus, ce qui est bien, ce qui est avantageux sur leur site, c'est qu'en fait, vous commandez, vous cumulez des points. Et après, avec ces points-là, ça vous fait des réductions. Top. En plus, vous commandez, je crois que vous commandez 5 boîtes de ça, par exemple. Vous en avez 2 gratuites. Franchement, ça vaut le grave le coup. Du coup, là, j'ai pris pour dépanner. Mais sinon, au pire, je commanderai sur leur site. Et j'ai pris celui-ci que je prends d'habitude aussi. C'est la Tema. Machiato, je ne sais pas comment on le dit. Vous allez m'excuser. Voilà. Dans le café, j'ai pris ça. Et j'ai pris le café moulu. Il est là. Et café non moulu, comme ça. Qu'on prend. En fait, la machine, c'est de temps en temps. Et en plus grosse partie, on fait du café là-dedans. Voilà. Après, j'ai pris du pain de mie comme ceci. Aux 7 céréales. Voilà. J'aime beaucoup aussi celui-là pour le matin. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pris les pommes. Là. J'ai pris 2 paquets de bananes comme ceci. Il ne restait plus que cela. Du coup, j'ai pris cela pour le petit déjeuner du matin que je vais me prévoir. Après, je vous tourne. Je vous fais voyager en même temps. Et j'ai pris ceci pour me faire plaisir. Voilà. De temps en temps, un petit plaisir, ça fait pas de mal. J'ai pris, alors le gâteau que j'adore, c'est celui-ci. Alors ça, je raffole ce gâteau. C'est trop trop bon. Franchement, goûtez-le, il est trop trop bon. C'est biscuits en fait anglais, mais franchement, ils sont trop bons. J'en ai pris qu'un parce que c'était le dernier. Après, j'ai pris dans la même marque, mais un chocolat au lait. C'est le même, ce qui est du chocolat en fait dessus. J'ai pris le Daily Shock. Voilà. J'ai pris du granola. J'ai pris la savane.
J'ai mon chat qui est derrière la porte, vous voyez. Je sais pas ce qu'elle fait. Je le regarde derrière la porte. J'ai pris pain au chocolat. Pareil, c'est pour le matin. Ouais, je prends des grands paquets parce que ça fasse le mois. Et j'ai pris... là, les pains au lait. Pareil, un grand format familial. Après, j'ai pris du lait d'amande en séparé. C'est pour faire mon petit matin, le petit déjeuner du matin. Alors, soit je goûterai avec ça, soit je le ferai avec du lait normal. Ça, quand même, ça coûte quand même cher le lait comme ça, quand même, je trouve. Du coup, j'en ai pris un pour goûter, mais sinon, je le ferai avec le lait normal. J'ai pris pour goûter pareil du Paquito. Pardon. Pourquoi Paquito? Paquito, je crois que c'est la marque. Ouais, c'est la marque du jus d'orange que je prends. Le Pago, en fait, c'est du zeste orange, carotte, citron. Ça m'a donné 3 envies. Du coup, j'ai pris pour goûter. Je vais goûter avec vous. Tiens, on va prendre un verre. Je commence à faire un peu de parler. Je commence à avoir la bouche qui sèche. On va goûter en live. Hop, j'ai mon voisin qui finit, pourquoi? Ça sent bon en tout cas. Je sens que je vais aimer. Alors, j'en prends un peu. On va goûter. Tout si j'aime pas. Hop, alors la couleur est orange. Carotte. Hein. Ah ouais. Ah, trop bon. On sent pas beaucoup le citron, j'avais peur que ça sentait beaucoup le citron. Et en fin de compte, on le sent, mais en dernier. On sent beaucoup la carotte, le mélange de la carotte et l'orange. Et le citron vient à la fin. Trop bon. Voilà, j'avais soif. Hein. Après, comme je vous disais, Paquito, de ce que je vous disais, j'ai repris du Paquito multifruits. Voilà, je bois pratiquement que ça. Il est trop bon. Hop, je vais mettre par terre parce que du coup, il n'y a plus de place. J'ai repris ma couleur parce que je vais me refaire la couleur du coup parce que là, ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait la couleur et ma couleur est pas très top. Du coup, voilà. Et j'ai pris châtain clair. Voilà. En général, je prends soit châtain foncé, soit du... En fait, je prends du châtain tout le temps ou blond foncé. Mais là, j'ai envie de changer. En fait, j'ai envie de me faire blonde. Mais le problème, c'est que redécolorer mes cheveux... Oula, j'ai pas vu que j'ai une belle bosse, là. Non. Décolorer mes cheveux, je crois que j'ai pas la foi de les redécolorer. Du coup, on va faire ça et après, on verra bien. Quand j'aurai la foi de le faire, je le ferai. On a repris les chips, pareil. On en a pris deux comme ça, de la marque Intermarché. Elles sont super bonnes aussi. Hop, on a deux. Après... On a pris de la adoucissante perle de soie. Voilà. Elle sent bon. Mais comme ça, elle sent super bon. Franchement, allez-y. J'ai pris de la tisane verveine. Et puis que celui-ci. Nuit calme, verveine. Je voulais la verveine normale. Mais bon, il n'y avait plus que celui-là. Du coup, j'ai pris celui-ci. Parce que j'aime bien boire ça le soir. J'attends avec ça et la menthe. Et du coup, j'avais plus de thé à la menthe. Du coup, j'en ai repris. Et là, il faisait le Coropac comme ça, Lipton. Bon, je prends toujours la marque Lipton pour le thé à la menthe. Ils sont super bons. Du coup, j'ai repris. Et ça sent bon. Du coup, voilà. Alors, j'ai un temps entre les deux. Voilà. Un coup, je fais la menthe. Un coup, je prends la verveine. Tout dépend de mes envies. On a repris 3 baguettes de pain. Voilà. Tout simple. Hop. La table, on a fini. On a repris du sucre, 2 paquets de farine. Ouais, il a voulu prendre la farine anti-grumeaux. Mais bon, moi quand je fais gâteau, je ne suis pas de grumeaux, mais bon. Il a voulu prendre ça. On a pris ça. On a pris pareil pour goûter. Alors j'avais pris ça, les graines de chia. Ben, du coup, c'est pour faire mon petit déjeuner. En fait, vous avez bien compris, il me faut une banane, les graines de chia, la crème fraîche. Le lait, le lait d'amande ou le lait normal. Et il me semble que c'est tout. Voilà. Et avec les fruits surgelés, avec les fruits. Vous mettez ça dedans et ça vous fait comme un... Enfin, c'est tout allégé en fait et c'est trop bon. Ça va me caler pour le travail, ça va être super. Donc, du coup, voilà. C'était le dernier, je voulais en prendre deux.
Et c'était le dernier. J'ai dit, bon, tant pis. De toute façon, je suis pas une grande, je mange pas des grandes quantités. Du coup, ça va passer. Au pire, j'en reprendrai d'autres. Voilà. On a repris du sucre de canne en dés. On a pris du pain de mie comme ça, sans croûte, blanc. J'ai pris, alors, un pack de chaque. J'ai pris deux sachets de levure, de levure chimique, j'en ai plus. Du sucre vanillé, pareil, j'en avais plus, du coup j'en ai plus deux. C'est pas que je fais beaucoup de gâteaux, mais bon, quand je fais, j'en fais. Quand j'en mets, il me faut bien tout ce qu'il me faut. Quand j'ai pas, ben, ça m'énerve. Voilà. On a pris deux paquets de sacs poubelles. Voilà. Alors, on s'est trompé. En général, je prends du 50 litres. Là, il m'a pris du 30 litres. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. On va faire avec. Un sac de patates. Voilà. On a pris de la viande. Alors, il m'a dit qu'il a pris chipolata et je sais plus quoi. Bon, de la viande, c'est dans le boucher, en fait. Normalement, on prend plus de viande, mais bon, là, il a envie de prendre de la viande. Du coup, on a pris la viande, sinon, on prend que du poisson. Et là, en fait, en poissonnerie, on a pris des crevettes et on a pris deux pavés de saumon. Voilà. Après, on a pris... Alors, en viande, oui, on mange du poulet, mais en généralement, tout ce qui est saucisse, merguez, côte d'agneau, tout ça, on mange pas. C'est des choses qu'on mange pas. Parce que moi, depuis l'opération, je mange la viande, j'ai du mal à la digérer. Et j'ai pratiquement plus envie, j'ai envie plus manger des légumes, du poisson, des choses comme ça, que la viande. Après, mon copain, il m'a suivi, et même, je pense qu'il doit faire une nouvelle dose de viande. Du coup, la seule viande qu'on achète, c'est du poulet. Et en général, le poulet, on en fait de temps en temps, mais très rarement. Voilà. On a pris une palette de fruits, comme ça, des clémentines. Voilà. Vous allez voir, en fait, en fruits, on ne prend pas grand-chose. Parce qu'on mange des fruits, mais quand on a envie, en fait. Et ça ne sert à rien d'acheter et de laisser pourrir. Ça, c'est hors de question. Du coup, on prend ce qui nous donne envie et au moins, on est sûr. Après, on prend des sûrs, comme la pomme, c'est des fruits sûrs. La banane, c'est des fruits sûrs qu'on mange tout le temps. Mais les clémentines, alors les oranges, je déteste ça. Par contre, j'aime bien les voir, mais les manger, bon, je ne sais pas. On a pris du poulet comme ça. Alors, on a pris des ailes comme ça. Et on a pris des pillons. Comme ça. Voilà, comme ça, on surgèle. Je congèle. Et c'est parfait, en fait. Ça, on a fait le tour. Là, c'est bon. Non, j'ai oublié de vous montrer ça. Alors, j'ai pris des produits d'entretien parce que j'ai plus de produits pour nettoyer tout ce qui est surface de la cuisine. Les meubles, les choses comme ça. Du coup, j'ai pris du Sanitol. Voilà, celui-ci. Sans résidus agressifs. Voilà, multi-usage, nettoie. Nettoie. Désinfecte. Voilà, j'ai pris. J'adore Sanitol, ça sent trop bon. J'adore cette marque. Sanitol, j'ai pris aussi pareil pour nettoyer toutes les cuisines, salle de bain. À l'odeur pamplemousse, anti-calcaire. Parfum pamplemousse d'origine naturelle, bon blablabla. Bouteille à 100% recyclage, testée dermatologiquement. Voilà, bon, c'est pareil, Sif, c'est une bonne marque aussi. Je prends assez souvent la marque Sif. C'est vrai que là, j'en ai tellement acheté que je n'ai plus acheté parce que je vais finir mes produits parce que moi, je suis madame produit. Si vous voyez mon placard de produits, surtout les trucs de sol, j'en ai 50. Elles sont toutes ouvertes hein, parce que j'adore changer en fait. Je suis une malade des produits en fait et je sais pas pourquoi en fait, j'adore ça. Du coup j'ai pris ça et j'ai pris aussi pour les toilettes, voilà j'ai pris celui-ci, la marque Apta, c'est très bien aussi, ça y fait très bien, anti-calcaire et parfum mer. Voilà, ça suffit, ça me c'est des toilettes, voilà quoi. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'en ai par terre aussi. J'ai pris la lessive savon de Marseille. Et aloe vera. Voilà. Alors, pareil pour la lessive, on interne, un coup on prend liquide, un coup on prend en poudre. Voilà. On fait en interne pour ne pas abîmer la machine. Après, on a pris deux paquets de croquettes pour les chats. Vous savez quand même que mes chats, ils sont. Elles de mes chats, elles ont un problème de urinaire. Du coup, on est obligé de prendre des croquettes spéciales urinaires. Chez le vétérinaire, ça coûte très cher. Du coup, on a pris la marque One. Qui fait aussi esprit pour urinaire. Enfin, c'est aide à maintenir le système urinaire. Voilà. Contrôle du poids et métabolisme sain.
Parce qu'en fait, mon compagnon, il s'est trompé et il avait pris des croquettes normales. Et mon chat, je me suis rendu compte, celui qui a des problèmes urinaires, je le voyais, il commençait à mêler de partout, il hurlait, il avait mal au ventre. Et j'ai dit, oula, les croquettes sont pas bonnes. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il m'a pris? Et du coup, je regarde, je fais, ah ouais, mais il a pris les bonnes croquettes. C'est pas grave, il a mangé, c'est le principal, mais bon, il était pas bien, le pauvre. Du coup, voilà, il fallait remédier. Du coup, on a fait au poulet. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de goût, on va dire ça. Ouais, de goût pour les chats spéciaux urinaires. C'est soit c'est au poulet, soit c'est au saumon. Et c'est tout. Il n'y a que ça. Du coup, les pauvres, ils n'ont pas grand chose. Et l'autre, mais du coup, c'est la même chose. Aide à maintenir un système urinaire sain, contrôle du poids et métabolisme sain. Et là, on a pris au saumon. Voilà, pareil, marque One. On prend toujours cette marque pour eux. Alors, soit on prend cette marque, soit on prend la sous-marque. Mais bon, en général, on prend cette marque parce que ça leur convient, en fait. Et non, en fait, si vous me posez la question, si l'autre chat, ça lui convient ou ça lui dérange, elle mange très bien aussi et elle se porte très bien aussi. Du coup, je pense pas que... Voilà. Et tout ça, le vétérinaire m'a dit, ça va pas lui faire du mal. Au contraire, ça risque d'éviter qu'elle a ce problème aussi que lui. Voilà. Et pour terminer... Ah non, pas terminé. On a pris du lait. Voilà, pour changer, on a pris bio. Bon, voilà, on a pris du bio. Je le reconnais parce que c'est lourd. Et on a pris de la laitière. De la litière. Voilà. On a pris qu'un pack aussi. On a la réserve. Mais bon, on a toujours. Ça sert toujours. Voilà. Et bien, c'est fini. Elle était longue cette vidéo. Mais au moins, je vous ai montré mes courses du mois. Après, je vais vous filmer quelques courses vite fait qu'on fait pour compléter ce qui nous manque. Mais là, avec le prix qu'on a payé. Franchement, j'ai halluciné. On a pris les mêmes choses que d'habitude, à part qu'on a rajouté les produits d'entretien. Et comme on est toutes crème de chat qu'on ne prend pas d'habitude, le lait d'amande qu'on ne prend pas d'habitude, mais sinon le reste, c'est ce qu'on prend pratiquement tout le temps. Et on a payé ça une fortune. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont augmenté leur prix par rapport au Covid. Voilà, et ça, c'est pas normal. Voilà. Ma petite pouce de gueule. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Je vous fais de très très gros bisous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Et je vous fais de très gros bisous. À très bientôt.